Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est de choisir trois objets qui représentent bien votre famille. Mais pas seulement les activités que vous faites, là. J'aimerais ça que vous trouviez trois objets qui représentent comment votre famille est bizarre. OK? Because you're aliens. OK? So I need you to find three objects that will represent the weirdness of your family, since you're aliens, remember. So for example, in my family, we had hairs like that. But you see, ce n'était pas très facile d'arriver sur Terre et de faire comme si on était des humains avec ses cheveux. Alors j'ai dû les couper. Okay. Ensuite, à mon arrivée sur Terre, j'ai eu besoin d'un conseiller en costume. I had to find something to inspire me to wear clothes just as humans. Alors, je me suis acheté des Barbies. I found some Barbies. Et je me suis inspirée de leur style. Ici, on a un beau Ken. Alors, il m'a beaucoup aidé. Et finalement, je suis arrivée sur une pouliche. C'était mon vaisseau spatial. Okay. Finally, when I came to planet Earth, I came on this course. So, that was my three objects. Okay, c'était les trois objets que j'ai choisis pour vous parler de ma famille d'aliens. Now, I would like you to try something maybe a little bit more simple. Okay, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose d'un peu plus simple. Je veux en apprendre plus sur votre famille. I want to learn more on your true family. So you can actually choose some objects that really represent your family. Alors, tu peux quand même choisir des objets qui représentent vraiment ta famille. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu apportes demain les trois objets pour les présenter aux autres amis. So I want you to, it's really important, okay, to take with you the three objects tomorrow so that you can present them to your friends. Okay, don't forget that. On se voit.